Et en même temps, je regarde si elles ont besoin de nourriture. Donc là, c'est bien. Il n'y a rien à signaler. La ruche est encore assez populeuse parce que vous avez beaucoup d'abeilles qui vont disparaître là en fin de saison, qui arrivent en fin de saison et qui vont être renouvelées par des abeilles d'automne. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de... J'ai commencé au départ comme amateur avec une vingtaine de ruches. Et j'ai suivi des cours au rucher de Couzex pendant une année pour me dégrossir sur ce métier, cette passion. Et en 2012, j'ai sauté le pas et je me suis installé comme professionnel. Donc là, avec 200 ruches. Ici, il n'y en a pas beaucoup. Non, non. Ici, ça, c'est une ruche qui passera pas l'hiver. Moi, je viens de la région parisienne. Où c'est un environnement qui est assez hostile. Donc là, vraiment, là, c'est le calme, le contact avec la nature et puis les abeilles. En fait, les abeilles, c'est difficile à décrire, mais c'est une passion, c'est un contact. Il y a des jours, ça se passe très bien, il y a d'autres jours, un peu moins, suivant la météo, en fait. Hein, c'est... Voilà. On s'aperçoit qu'elle la ponte. Donc elle prépare les abeilles d'automne, vous voyez, pour passer l'hiver en fait. Ça a l'air d'être assez calme. C'est une maline la reine. C'est un métier où on est obligé de se remettre toujours en question et d'avoir une approche différente. Et un jour, vous allez avoir une approche, vous allez travailler d'une certaine façon. Le lendemain, il faudra avoir une autre approche parce que ce n'est pas le jour. On va dire qu'un apiculteur professionnel aujourd'hui doit tourner aux alentours de 350 ruches pour commencer à en vivre. Autrement, c'est assez difficile. Hein. Depuis quelques années, le cours du miel augmente. Ça, c'est bénéfique, mais c'est pas suffisant. Il faut faire du volume. Il faut faire du volume pour sortir quelque chose. Donc, 170 ruches. Bon, ça fait ma deuxième année en tant que professionnel. Il faut que je, d'ici l'année prochaine, d'ici deux ans, au mieux, je passe à 350 ruches. Je fais les marchés, je vends aussi en grande surface et je vends sur le net avec un site internet. Miel de fleurs, donc tuiles et ronces. Vous avez aussi le châtaignier. Vous avez la bourdaine, puis aussi l'acacia, mais très peu. Hein. Cette année, l'acacia, ça a été une production vraiment minime. J'ai eu beau transhumer en Corrèze, chez nos voisins, en espérant faire quelque chose, mais la météo n'était pas propice pour récolter de l'acacia.